Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, comment ça va fou? Écoute, ça va très bien. Et toi, Ça pourquoi va tu parles comme ça? très très bien, je sais pas, j'ai envie de mettre un petit peu de vague comme ça, Ouais, tu voulais dans vaguer dans cette ta intro. voix? Tout de suite, un rebuilder. Encore? Incroyable, encore un rebuilder. Et oui, parce Ah qu'en ce ouais, mais moment, il parce n'y qu'en a ce moment, rien à faire c'est sur difficile. Magic, c'est compliqué. Enfin, en tout cas, sur Magic Arena, Par il contre, n'y a ce plus de choses à faire. rebuilder, attention le fun. Attention, Enfin, le les fun pour ballons. nous. Attention le fun pour nous. Il y a une règle à Le ce non-fun rebuilder. pour l'adversaire. Il y a une règle à ce rebuilder, c'est que on va changer la condition de victoire en fait. On ne Exactement. gagne pas quand l'adversaire Père, perd, on gagne quand on s'amuse. quand on s'amuse. Et comment on s'amuse? En faisant en sorte que l'autre ne s'amuse pas. Il ne Exactement. s'amuse Et pas. comment on fait pour que l'autre ne s'amuse pas? Ça crée pas comme ça. Ah, il n'y a pas d'accent, pardon. Comment on fait pour que l'adversaire ne s'amuse pas? Avec On ça. lui enlève ses cartes. Du coup, on va aller dans création de deck parce que j'y étais pas. Et là, mesdames et messieurs, Vas-y. on retape des rives. Un rebuilder spécial égo à la dérive. Quel va être le but de ce deck? De jouer un maximum d'égo à la dérive, de vider de conditions de victoire le deck de notre adversaire. Et On n'a on pas prévu va à l'avance, hein. C'est juste bien que se les idées marrer. fusent là, Assez actuellement. rapide. Alors voilà, moi j'ai des idées. Maintenant, comment on fait pour doubler égo à la dérive? Conjecture de Mirari, c'est logique. Normal. Expansion, explosion. 4. Du coup, on a 4 égaux à la dérive, mais il nous en faut 8. Le tuto 1, là, ou chacun tuto. Je sais que ça te plairait, ça. Je lui ai pas dit, je sais que ça lui plairait. Voilà. Non, Ça me par plaît contre, ça. tu me craves pas ça. Hein. Ah ouais? S'il te plaît. Ah, s'il te plaît. Ouais. Non. En plus, le mec va chercher un truc. Bah, tu vois, c'est pas grave, C'est tu pas vas égaux à la grave. dérive. Égo derrière, bim. Rien à foutre. Voleur de sanité, joue pas ses cartes. Oh, on va être dégueulasse, quoi. Oh, je sais. Oh, le cancer! Merde. Ça va aller très vite ce rebuilder. Vraiment, on s'est pas concerté avant. Ça, Pour. typiquement, c'est pas fun. Ah non, Il aura c'est. aucun fun, là, le mec. J'avoue, le mec aura aucun fun, mais Et est-ce que ça rentre dans le on build? peut fin de tour symétrie sournoise avec Teferi ou alors upkeep égo à la dérive. Ok, si tu C'est pas veux. génial de Ouais, faire si, ça? aussi, ok. Ok. Du coup, on part sur Esper Héros. Allez, en vrai, tu mets héros là. Ah, c'est pas héros, c'est pas égo à la dérive, c'est héros à la dérive. Oh! Ah, j'adore! Yes! Mince. Et non, c'est sans Héroïne. S. Ah, j'adore. Ah, je suis fan. Et on met ça. Ah non, c'est Pour pas possible. kill. Bon, on en est où Ah, là, mais de ce non. deck? Là, y a un côté, je vais avoir un beatdown avec des créatures. Ça me plaît moyen, moi. T'aimes pas? Ah oui, c'est vrai, il Mais. faut pas le tuer, hein, Ouais, mais j'adore le l'adversaire. héros à la dérive. Donc, Ouais, s'il je la laisse, c'est pas laisse. grave. Ça temporisera, on s'en servira seulement pour bloquer. Ce sera un tampon. Voilà, exactement. Bon, comment Qu'est-ce on qu'on fait peut pour mettre? emmerder les gens Plus que 6 cartes, hein. dans ce Déjà, deck? on est pas mal, hein. Tu peux jouer des sonneurs de la cloche pour faire des fossés. En fait, on fait un Esper Héros chiant. Espéré chiant. Non, c'est hanteur. Ah, c'est Hunter. En même temps, ça n'a aucun sens. Je mets 4, on verra après. Oui, on refera Qu'est-ce qu'on les a dans ces proportions. couleurs-là? Comment on fait pour doubler et rejouer des égaux à la dérive? Qu'est-ce qui reprend des cartes de notre cimetière si on en a déjà passé un? Je ne sais pas, Dudley. Je vous vois. ouais, comment on fait? Comment on fait? Oh, campagne, c'est relou. Non, mais on va pas jouer ça, Ah, on faudrait jouer. surveille pas. Ashiok, c'est pas mal. Je mets deux Ashiok, Ashiok parce il joue pas ses cartes qu'il y a avec Ashiok. des decks qui perdent sur Ashiok en ce moment. Ouais, c'est vrai. Très important. Après, on veut pas gagner. On veut que l'adversaire se morfonde, se ronge tous Non, les mais je te doigts. dis que Kaitis, même s'il gagne, de l'avoir fait Ashiok, il sera très déçu. C'est quoi trahison mnémonique? Où ça? Là? Juste là. Exilez toutes les cartes des cimetières de tous les adversaires. Vous pouvez lancer du. Ces cartes ce tour-ci, vous pouvez dépenser. Il faut payer les cartes au début de la prochaine étape de fin. Ah non, c'est pas très bien. Enfin, c'est pas dans le plan de jeu. C'est longasse quoi. Ouais. C'est une élongation. Ah bah, preneuse d'otage, tu lui piques ses cartes. C'est pas aussi. Ah, il y a une notion de vol, j'en Il y mets a une deux. notion de J'en vol, mets tu deux. prends, on casse bien les couilles Ouais, là. ouais. Hein. Ok. Et je mets 4 Nexus. Y a pas une créature qui reprend un rituel du cimetière? Il y a des trucs nuls en draft qui font ça. Mais c'est nul. Ouais, on n'a pas envie de jouer un truc nul quand même. Notre deck est fort donc.
Je sais pas ce que c'est la formulation de. C'est la 2-2 pour 4 qui reprend un rituel, c'est faible. Ça va, non? Pour 4? Tu veux dire que ça score avec Ego la dérive? Ah, mais ça coûte 2 bleus, 2 bleus dans un color. Ça se curve pas avec héros à la dérive. Donc je suis pas sûr. Bon, est-ce qu'on n'a pas assez de solutions là pour faire full ego quand même? Ouais, on peut le doubler. En vrai, Mirai Conjecture Ego, c'est déjà bien. Ouais, j'avoue. Peut-être que expansion, on a été trop véhément. Il faudrait peut-être en enlever un peu. Je suis en enlevé 2. Ouais. Mais il y a un délire. Ah, du coup, j'en cut 2. Il me met plus de rouge. J'ai dit, bah non, c'est bon. Bah. S'il y en a que 2, ça En fait, suffit. tu vas jouer avec expansion si on a que deux. Ah, il est malin ce deck. Ah, il est pas con. Non. Oh, je mets des Kétis. J'ai l'impression que le deck est monté. Vas-y, fais voir la curve. Mets le deck. Ah, ça risque de te plaire. Hein. C'est pas mal, hein. J'avoue. Hein. En vrai, là, qu'est-ce qui m'empêche de faire terminer, là? Est-ce qu'on n'aurait pas fait le Harribitant le plus rapide de l'histoire? J'avoue, en même temps, tu veux tourner autour d'Ego de la dérive, Ouais. c'est pas si dur. Hein. Par contre, notre adversaire, il va être deg hein, de On a se prendre oublié de ça. rappeler ce que c'était qu'Harribitant, pour ceux qui découvrent. Qu'est-ce qu'un rebuilder? Eh ben, Harribitant, vous c'est un l'avez vu. concept fou. Voilà, en fait, on part d'une carte ou d'une idée. D'une Donc là, mécanique. l'idée, c'était jouer Ego à la dérive et faire chier l'adversaire. Ouais, d'essayer de le jouer le plus de fois possible. Voilà, du coup, on s'est dit, bah voilà, on a créé ça. Et le but, voilà, c'est qu'on construise le deck devant vos yeux ébahis. Et ensuite, on part en ladder, rosser des types avec ça. Est-ce qu'on peut aller plus loin dans l'idée de rejouer Ego à la dérive? Est-ce qu'il y a moyen de. Tu vois? Ah, je sais qu'en commentaire, les gens vont dire, vous auriez pu faire ça, on va faire merde. Eh ouais, j'ai peur qu'on Je passe à côté de regarde. quelque chose. Je regarde. Je le regarde. Tu me dis stop hein, quand je suis à cul. Vas-y. C'est bien ça. Ça va prendre la place d'héroïne, ça me fait mal au cœur. C'est vrai que Héros à la dérive, c'est marrant. Mais est-ce qu'il faut qu'on serve un jeu de mots jusqu'au bout? Moi je pense. Dites dans les commentaires si on aurait dû cutter l'héroïne ou si le jeu de mots vaut la peine. Je pense que ça vaut la chandelle. Ça, mon euro, j'en le Si le casse en jeu deux. de mots en vaut la décale. Ouais, c'est bon aussi. C'est dur, hein? Ouais, c'est compliqué. Genre, faut qu'il y ait une carte qui te saute aux yeux qui soit chiante, quoi. Inversion de Narset. C'est pas chiant, c'est nul, ça. Ah oh, putain, Pitenko, comme on dit. Mais bien Mais sûr, Pierre bien Louis, mais sûr! évidemment. Ah Hop vas-y, là! pas Non, trop. deux. Ouais, Ouais. c'est quand même fébrile quoi. Mais c'est bien, ça nous permet de rejouer Mais héros. oui. Hein. Oui Harry. Ego. Ego pardon, héros. Héros, Putain, je ça suis perdu. peut pas ça. Oh, a bien fait de regarder. Donc une moto passe. C'est chiant hein, comme moment. Non. Et là ils se disent, mais est-ce qu'ils vont le voir? Est-ce qu'ils Mais vont le voir? est-ce qu'ils l'ont vu? Mais Mais il y a déjà quoi? deux pages! Vous Mais l'avez pas vu! quoi? Des Ah, yeux partout. je pense qu'on a quand même pas mal de moyens de faire chier et de rejouer Je Ego à la pense qu'on est dérive pas là. mal, hein. Ça va être dur là de faire mieux. À moins qu'il y ait un. Quoi? Ah c'est rouge, merde. Quoi? C'était quoi? Ralzarek. Pour Ah moins 2, tu copies. putain! Eh ouais, mais faut jouer Grixis Du coup, après. on perd quoi si on enlève le blanc? On perd le jeu de T'es mots, férié le jeu de mots. le Hunter et Teferi. Mais on gagne Mais Nicole on peut Bolas. casse. C'est bien On gagne ça! Nicole Bolas et on peut caster Explosion. Vas-y, dégage. Vous, le jeu de Allez! mots, vous l'avez en tête, ça suffit. Hunter, c'était pas bien. Teferi, c'était grave bien par Ouais, t'es fait, contre. c'était grave bien. Bah, c'était bien C'est avec chiant. Symétrie Sournoise en fait. Ah oh, putain, c'est trop bien. Non, mais on joue plein d'ego, on s'en Ouais, c'est fout. pas. Râle. Allez, viens là. Ça fait quoi, Ral, du coup? Ça copie. Voilà. Cherche pas plus loin. Bah, Bolas, hein. Bolas. Franchement, je Bolas. vais pas te mentir. Bloas, je vais y arriver ou pas? J'y suis arrivé. J'ai envie de jouer le drop 4, mais c'est pas dans la synergie du deck, quoi. Mais j'ai envie de le jouer. Non, mais joue au Augur of Bolas, par contre. Non? Ouais, t'es parti en live, là. Non, Il y a Bolas dessus. mais... On fait un deck Bolas, en fait! C'est un prank! Vas-y, enlève une symétrie. Je sais que c'est fort, mais faut pas déconner non Ouais, plus. c'est vrai que deux, ça suffit. Bah, en fait, c'est pas fort, mais je sais que ça va être bien, quoi. Je peux pas mettre des mastermind d'acquisition? Pour faire quoi? Je sais pas, mais ça a l'air bien. J'ai réfléchi tout à l'heure à Mastermind, je me suis dit, ouais, mais faudrait mettre un ego en side, et du coup, c'est pas bon. Tu veux laisser Nicole Bolas? Ah ouais, ça fait défausser, c'est combo! Mais c'est bien, je suis Enlève d'accord. la preneuse d'otage alors. Vas-y, on est pas Ouais, là c'est pour vrai. gérer, nous, on s'en balèque. T'es en cag, non, toi? Ouais, je m'en Ouais, je cague. m'en cag. Peut-être que Symétrie, c'est trop sournois, justement. Oh non, 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 non.
À Chioc, peut-être que. J'en mets. T'es le mec qui veut enlever Ashiok et laisser symétrie, quoi. Vas-y, remets la decklist en visu. Je me suis peut-être emballé sur 4 al. Moi, je crois qu'on s'emballe Regarde, on jamais. fait un compromis. Oh non! Non? Pas 4 bolas, pas 3 bolas. Ah, c'est 4 ou 0. Oh, pas 4 al. Pas Ah, 3 si! ral. Si, ça m'allait, moi, 3 râles. Ouais. Là, c'est le compromis du compromis. Ouais. Je sens qu'il y a un drop 4 qu'il faut en 3 exemplaires là pour que ce soit beau. Moi, je sens que c'est les deux symétries sournoises qui sont vraiment pas belles, quoi. Mais j'aime bien le play de il va chercher son truc et tu lui ego, quoi. Non, bah. Fais pas Je ça. préfère que t'enlèves Ashiok à ce compte-là, mais ça me fait mal aussi. Ah bah voilà, tu vois, on avance. J'en enlève un. Enlève une rune en mission. Ah, c'est notre cinquième ego à la dérive, on n'en a pas besoin. Pas besoin de 6. Ah, je préfère enlever un ral. Hein. Oh, bah, ça copie, mec. Mais ça. Ça Non. copie aussi quelque part. Bah, t'as raison. J'enlève une conjecture. Oh, jamais. J'enlève un bolas. Oh, jamais. Ah, celui-là, je peux l'enlever. Ah, je préfère que t'enlèves le 4 alors. Voyez comment ça marche avec Val? Bon, vas-y, il est bien ce deck Tu lui là. dis un truc, il dit non. Tu lui dis autre chose, il dit ah, bah alors ça. Ouais, ok, ça Tu lui va alors. proposes pire. Quand Il j'étais vient ici, jeune deck. et que j'allais à la fac avec mon ami Lucas, il m'appelait le midi et il me disait, tu veux manger où? Et je lui répondais, où tu veux. Il me disait, McDo, je disais non. Il me disait, chinois, je disais non. Il me disait, Paul, je disais non. Et en fait, il me disait, bah, en fait, tu veux manger où tu veux toi? Et tu disais Je disais, oui. oui. Alors, il faut des catacombes noyées, des chutes de soufre, des tombes aquatiques, Ramène des tout. cornues de vapeur, des cryptes de sang et du sommet du crâne dragon. On est bien! On est Ouais, bien! alors fais voir les sources de colorés quand même, puisqu'il en faut pas mal pour notre ami Bolas. 34 bleus, 22 noirs, 12 rouges. Ouais. Donc du coup, Donc, on peut cut du noir-rouge. il faut enlever deux sommets du crâne dragon. Oh là là, Mais qu'est-ce qu'est-ce qu'il qu'il fait? fait lui? Je Voilà. pense que j'en code 4 et je mets Deux. 3 îles, un Non, marais. il faut démarrer pour Bolas en fait. Ah, non, Donc je tu mets mets 2 îles de marais. deux îles de marée. Et je mets celle-là. Oups. C'est bien là. J'enlèverai une chute de soufre et je mettrai un temple. J'enlèverai deux chutes de soufre et je mettrai deux temples. Parce que je suis le Vendu. pire. I'm the worst. Tu les as? Oui, ils sont là, Ah oui. regarde. J'ai regardé partout, sauf là. Alors attends, est-ce que la base de mana est cool là? Oh, elle est belle la base. Je sais pas si on a besoin d'autant de bleu, si. Bah, 34 quand même. Oh, à 3 près, c'est les tubes de colle. Genre quasiment toutes nos cartes contiennent du bleu, à part la symétrie sournoise. C'est que c'est elle qui déstabilise tout notre deck, Pierre-Louis. Mais héros à la dérive. Héros à la dérive laisse. Héros laisse à la dérive. J'adore. Vendu. Comme Knorr. Et vous savez ce que c'est le play? Tu t'en fous de ton rang ou pas? Va en mythique. Il faut qu'on emmerde des gens en mythique, bien sûr. J'ai envie de partir en BO3. Sans side? Ouais. Mais pourquoi? Parce que sinon on va pas rencontrer de Nexus. Et moi j'adorerais casser des Nexus avec mes 4 égos. Non mais alors mettons du side. Est-ce que ce serait le premier rebuilder avec du side? C'est pas dur de mettre 4 contraintes. Hein. C'est Mais parti. y donc un peu de side. Premier rebuilder avec du side. Ouais Ça c'est ouais. pour vous. Mais ça c'est pour tomber sur les bons decks. Après on sait qu'en non classé, il y a quand même les bons decks. Hein. Les Nexus, ils Oui. vont en non classé des fois. Quelle contrainte? Joue Ashiok. comment ça s'appelle Emprise délétère. Ashiok, j'en remets 2. Oui. Emprise, ouais, c'est vrai que c'est bien ça. 4, 3, 2. 1, Feu. 0. Tu peux mettre feu suivant ou disfigure. Disfigure, ouais, c'est 2 bien. disfigure. Non, instant d'envie, c'est mieux là, contre les Instant decks aggro. d'envie, c'est vrai? C'est pas mieux? Oh, je sais pas. Je Hein. gagne des pèves. Contre Vampire, on peut faire disfigure. Hein. Bah, Peut-être le tour disfigure. 1. Hein. Mince. Vampire. Pas plus. Il reste 4 cartes. Bah, des brasses. Deux cry, deux rituels. Franchement, on se fait pas chier pour Ouais, le side basique, voilà. le Petit side, tuto, comment faire un on side basique. s'emmerde pas. Tu m'as dit cri du. Deux cris du. Cri du cœur. Ouais, parce que si tu mets cri du, ça te trouve 68 cartes. Et cri Ouais. du carte. Et si je mettais des petits sorines en side, qu'est-ce que t'en penses? Là, Il y a des merdes, hein?
Ah, on n'a pas mis de negate et tout. Non, attends, reviens le rouvre le side là. Non, parce qu'on est quand même un peu foufou là. Je pense. Si tu veux, Val. Non, parce que sinon il est pas bien notre side là en vrai. C'est vrai, il faut 3 negates. Enlève, enlève deux contraintes, parce qu'on a 4. Ah, on a 4, ouais. Ouais. Une emprise délétère. Non, non, 3 emprises et tu mets juste une disfigure. C'est le petit one shot là. Ah, ok. Très bien. Allez, vas-y. C'est pas bien, mais ça me plaît. Let's go. Non, si, c'est bien. C'est bien. Si, si, c'est bien. Pardon, c'est bien. Il est où? Il est à droite. Oh. C'est parti. Et c'est parti. Ah, ça me fait plaisir de jouer si ça. On gagne ne serait-ce qu'une game, on n'est pas là pour gagner. On est là pour s'amuser et que l'autre ne s'amuse pas. Et notre amusement sera inversement proportionnel au non-amusement de notre adversaire. Là, on va en prendre un, en fait, si vous voulez. Et on veut vraiment lui casser les doigts. Ouais. C'est-à-dire qu'il va jouer avec les mains comme ça sur la table et tac, nous, on frappe comme ça. C'est en mode, ne prend aucun plaisir. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on le peut. Parce qu'on est méchant. Déjà. Non. Oh, c'est vrai? Non. On joue contre Sadim. Ça veut dire Midas à l'envers. Enfin, ça fait Midas. C'est vrai. C'est de la marde. Regarde-moi ça. On a ni symétrie sournoise, ni ego, pardon. Ni. C'est dur, hein. C'est une bonne main. Excusez-moi du peu, monsieur. Perdone. Comment on dit en italien? Scusi, perdone. Ceux qui auraient vu oh là Angus là. Bastard. Margheriti. Putain, regarde ce qu'il joue, quoi. Et que joues-tu, toi, Sadim? Margheriti. Margheriti. Si d'ailleurs, il fait pas l'option au tour 3, je l'enlève tous ses lots. Un des descendants de Margheriti et dans Once Upon a Time in Hollywood. Tu sais, comme il y a plein de raccords entre les personnages ouais. de Tarantino, oui, c'est un des mecs qui a fait un réalisateur. Ouais, yes, toi aussi, tu l'as eu. Ah, tu l'as eu. Tambalek. Tambalek, okay. Hein. Ton prochain, c'est Ego qui part dans sa grosse bouche. Mais lui, on lui Ego quoi, lui? Champion des crépuscules. Ouais, c'est vrai. S'il l'a pas joué, sinon Sorin, s'il l'a pas joué, s'il a joué les deux, ben, j'enlève rien. Je crois que t'enlèves quand même champion, quoi qu'il advienne, devant Sorin. Non? Ben ouais, hein. Oh, putain. Ben, est-ce qu'il a tout? Ah ben il l'a, hein, regarde. Merde! Est-ce que là, en fait, ce champion, il peut pas le jouer avant deux tours? Écoute, on a du bon side. Mais on sera mort. Ego. Enfin, là, sur celle-là, on est mort. Il a joué déjà les deux bonnes cartes de son deck. Les deux meilleures cartes. J'enlève le lieutenant. Tu enlèves la quêteuse? Ah, quêteuse, c'est bien. Ouais. Ça dépend s'il en joue beaucoup. Après, le lieutenant, il y en a plus. Ouais, le lieutenant, t'as raison. Pas des pions. Ouais. Ah, il a Walou dans sa main, ça fait plaisir. Fais voir son main. Son main. Sa main, pardon. Sa main, c'est des Landes. Ça, pardon, son deck, excuse-moi. Ouais. Ouais, il joue un classique. Il a une quêteuse. Deux. Il y a deux quêteuses. Ok, ouais, lui, il veut rentrer dans le top 1000. Hein. Ouais. Allez, hop. Ok, ça, ça dégage. Par contre, nous, je vois pas comment on stabilise, là. On aurait peut-être pas dû lui révéler notre plan de jeu. On va concéder à la fin de ce tour. Ah, je sais pas, hein. Et moi, ouais, je sais. Là, je t'assure que. On gagne du temps. On fera pas le poids. Il a Mortify en main sur notre bolas le tour d'après et... Ouais. Et c'est tout. C'est pour ça j'ai vu le Mortify et j'ai dit, ouais, c'est bon. Ça va pas le faire. Par on contre, peut s'en aller. Là, on a des queutrues. Oui. Aussi. Emprise et défiguration. Emprise ? Ça va être une créature blanche. Bon, c'est vrai. Peut-être pas 3 hein, si on sait pas quoi décider, mais. Ouais, j'en enlève une déjà. Réunion de mission, ça c'est frêle. Ouais, enlève Ashiok aussi. Ashiok, ça c'est nul contre lui. Ashiok l'OM. Pardon. Je cut un râle. Je me suis emballé. Le vouloir de sanité. Le truc c'est qu'il y a Sorin qui va mettre 3 points de dégâts quoi. Enlève expansion explosion sinon. C'est peut-être trop tricky ballsy tu vois. Ouais, et j'enlève un voleur. C'est pas le genre, ouais, c'est pas le genre de deck qui va nous laisser jouer tu vois donc. Lui, il faut le battre à la régulière, tu vois. En fait, il va jouer comme ça. Et de temps en temps, il fait. Hein? Tain, moi, rencontrer Scape Shift ou quoi, tu vois, Vampire. Oh, Scape Shift, formidable. Notre plan de jeu contre Vampire est complètement inefficace. Je vais en prendre. Très bien. Margheriti. Pepode. C'est le frère de Margheriti. Si on en prend une, c'est très bien. Ah, ce sera incroyable. Parce que là, le mec a eu du fun. Malheureusement, du coup, il faut lui enlever ce fun. Il faut vraiment lui enlever le fun. Il faut lui faire croire qu'il peut perdre. Mais il peut perdre. Oui.
Ça perd les pas perdre. Ah Alors je vais me faire un plaisir d'enlever quêteuse, je crois. d'enlever. Quêteuse? Bah là, il... En fait, là, il peut pas jouer ça. Il n'y a que ça qui peut jouer dans sa main. Il a un land Ah! noir. Donc, à moins qu'il top deck, je pense que je préfère lui enlever son playable. Comme ça, il playable rien. Ouais, ça se défend. On voit du mana rouge. Ok, et comme ça, on fera égo sur Sorin. Exactement. Là, il va faire. Bon, du coup, il va aller chercher ses lands avec cet ego, mais. Il aura pas son Sorin. Bah, il les a déjà, là, ces landes. Passez pas T'inquiète. derrière, passez pas derrière. Allez, hop là. Poum poum pam, poum 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 pam. Il est où? Ça me propose pas Sorin? Non, bah t'as plus. Bah, ça te propose tes Et donc cartes. Tu veux ego tes propres non. cartes? Ah, je crois que c'est sans impérieux, mais je suis pas sûr. Ouais. bien joué. Allez, Ça ça dégage. dégage déjà. Tu veux voir ce qu'il a cédé contre nous? Rien, il a le Des merdex, s'il a contraintes. des contraintes. Pas grave, on les reprend du cimetière, non. Il n'y a mis que des contraintes. Il n'y a même pas mis une Ok. petite Vona là? Non. Allez, déjà tu joues pas Sorin. Petit 1. Oh yes! Ah non, putain, je croyais que c'était ce qu'il avait repioché, je suis con! Ah, il y a top deck mana blanc. C'est pas grave, nous on développe le plan de jeu, on n'est pas là pour Aucun gagner, on est là pour problème. l'emmerder. Là tu vas cry, hein? Ah ouais, craint, il perd tout. Ouais. T'étais bon toi. Cry. Franchement, c'est bien cry. Ouais. Into Bolas là. Easy. Alors pourquoi sa 2-3 est morte alors que ça fait moins 2, moins 2? Parce qu'en fait, on a tué son lieutenant qui lui donnait plus 1, plus 1. Du coup, elle est devenue 0-1. moins 1, 0. Ouais. 0-1 et quand le truc est parti, bah moins 1-0. Ça ne gère pas ça. Bon, on va mettre Bolas. Ouais. Tranquillou. Bolas. C'est les Japonais qui l'appellent comme ça. Bolas, Nikoru Bolas. Nikoru Bolas. Dragon Ball Z. Dragon Boulou. J'adore. T'aimes bien Dragon Boulou? Je Ouais, je sais pas ce que c'est, mais connais ça a pas. l'air bien. Bah râle, hein. Bah oui. Hein. Bah ouais, c'est de la marde. Ou c'est du choc là. Bah là, on attend juste un ego. Et on fait moins de ego et on fait. Oh. On Non, s'en non, on bat veut avec ça. ego. Ouais. Pas l'attaque. On va protéger Ral à tout prix. C'est la clé de la victoire. C'est notre plan de jeu, hein. Là, j'ai encore plein d'idées de trucs à citer, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Il va attaquer? Non, il va pas attaquer dedans, ça dîme. T'as pas faire l'erreur. Fais pas ça! Enfin, fais, on prend, nous, hein. Pas mal. Ah, vas-y, fais Je suis moins 2. double. Tu fais double effacement? Ouais. Yes! En fait, on sait qu'il top deck des landes. Il a Yes! du top deck des landes pour jouer ça, donc normalement, il a des cartes actives. Allez, fais voir ce que t'as là. Cran en plus, on ping. Ping, paf, pouf. Bah On écoute. enlève deux bêtes. On enlève ça. Ouais, je sais Double pas, tu surveille en veux pas plus. monter à 7 landes pour Bolas? Non, tu Ah, veux de je veux l'actif. ego. Tu veux ego. Ouais, ça, putain, c'est vrai, il faut pas qu'on. Ah, Ouais, par ça, contre, tu ça, gardes. je vais garder quand même. On sait Et il faut pas jamais. qu'on gagne par les moyens usuels. Ouais. Il faut qu'on gagne à ego. Mais Bola, c'est bien. Contre lui, on Oh, fait une mais je m'en fous. exception. Contre lui, on va gagner par les moyens usuels, là. Parce que À cette c'est. game-là, il faut lui Ouais, apprendre. faut lui apprendre. Parce que sinon, moi, je te proposais, même si on peut le tuer, on ne le tue pas. Genre, on est Et sur le point, on fait non, non, on vas-y. le fait bien chier, tu vois. Ah ouais, faites-les bien chier. J'aime quand vous les faites chier. Là là, je suis l'adversaire que je détesterais rencontrer. Ouais, mais tu ne l'es pas d'habitude. Non, je ne le suis pas, On l'est c'est exceptionnellement pour les seulement pour besoins cette vidéo. du D'une public vidéo. français qui souhaite rire. N'hésitez pas à rire sur cette vidéo. N'hésitez pas à crafter ce deck en masse et à inonder le ladder. Putain, si c'était un deck budget, genre le ladder pendant 2 jours serait dégueulasse. Horrible. Injouable. Si vous jouez tous le jeu, Ah non, ils franchement. savent. Le premier qui a ego, il fait ego sur ego. Et le mec fait Yes! merde. J'ai perdu. Quel est ton plan de jeu? On va dire bonjour à Sadim. Et Et on va sur... te casser la statue de Bolas. Non, on casse Bon, juste on une va dé. tuer une quêteuse là. Écoute, c'est cadeau. Oula! Allez, je prends au passage. On perd Ral, mais c'est pas grave, on avait un back plan. Et en vrai, je vais te le dire très poliment. Je m'en fous Oh, je de m'en perdre fous. Ral. Puisque celle-là, on va la gagner de manière. Comme il faut. Voilà. Bah là, tu fais moins 3 quêteuses et. Et tu restes en bloc et GG well play quoi. T'imagines si top deck Sorin?
He can't. LOL. He just can't. Lieutenant, ce serait chiant là. He wants, but it can't. Papa, on peut pas faire ça. Vas-y, montre-moi où ils sont les sorines. Venez. Je vais vous montrer. Venez voir. C'est bien. Non, je lui dis c'est bien. C'est bien. Bah écoute. Sokoyaro. Jotaro. Jotaro Kujo. Ah bah très bien, on peut faire cry into. Ah bah on va pas faire cry, il est gentil. Parfait. Ego. Ego. Oh yes! Yes! Allez, ego moi ça là. Alors je lui mets 4 points parce que je veux qu'il soit à 20 quand il va mourir. Ouais voilà. Vas-y ego. Eh tiens. Montre-moi. Champion du crépuscule. El campeón. Campeón del crepúsculo. Du crépuscule. Ok. Ah, il a rentré Vona, on l'avait pas vu. Ah, il était où? Mais il l'avait Vona de base. Ah, il y a Chidéon aussi qui est rentré par contre. Oh, il y a Chidéon. Il a deux Chidéons. Deux Chidéons. Bon, c'est lieutenant ou Adanto à dire après. Oh, Chidéon, moi je dirais. Chidéon, c'est chiant. Ouais, Chidéon, on le tue avec Nicole Bolas donc. Ouais. Bon, en vrai, je crois qu'on. Ah, mais Adanto, on a crié du carnaval. Je lui dis n'importe quoi. Allez, explose, Sadim. Voilà. Rentre chez toi. Ça fait plaisir, hein, quand même. Ça fait plaisir ou pas plaisir? Ça fait plaisir. Game 3. Ça a pas marché. Ça a marché. Écoute, c'est bien. Moi, quand ça se passe comme ça, mec. Non, mais moi, je dis. Ça me fait plaisir. C'est bien. Moi, je dis que toi, tu dis. Que c'est bien. Que c'est vraiment c'est bien. C'est trop bien. En fait, j'adore. Parce que on dit que Ego à la dérive, c'est pas une bonne carte. Mais franchement, moi je dis que c'est plaisir. C'est pas si bien que ce que les gens pensent. Mais ça fait extrêmement plaisir. En fait, c'est comme s'il y avait écrit annihile les staples de standard. Voilà. Il y a des staples, annihile les. Paf. J'adore le mec qui dit des staples. D'aucuns diraient qu'on a fait draw 2 à notre adversaire. C'est mais vrai. Les vrais diront, on a gagné grâce à ça. On lui a enlevé sa combo. Non, en vrai, je sais pas si on a gagné grâce à ça, mais. Est-ce qu'on gagnait s'il avait double sorine en main? Je peux pas non plus me contre-argumenter parce que cette vidéo est incroyable, tu vois. Pour moi, on a quand même fait draw 2 à notre adversaire. On n'est pas résultat oriented. Alors pour cette vidéo, je vais oublier ce que je pense de Ego. Et c'est la meilleure carte du standard. C'est cette la main, meilleure cette carte. Main est vraiment parfaite. Ça là, pour ceux qui se demandent, hein, parce qu'à chaque fois on dit que c'est le meilleur deck. Hein. Mais ça, c'est le meilleur deck. Oui. Donc on y doit peur. Ça me permettra oui, de faire tu t'offres, tout. Ça ou ça, mais surtout d'avoir toutes les couleurs ça, entre deux. Ça ou ça, ça, ça ou ça ou ça. Oh, bah mais ça, ça va se faire empriser, ça. Hein. Ouais. Oh. Ou alors t'as peur de Sorin et tu effaces la pensée. Mais bon, s'il a tout, il a tout aussi. Hein. Non, emprise. Je crois que je gère. Emprise-moi cet homme-là. Je gagne un PV, j'enlève 3 points de dégâts. Ça me va. Après, est-ce qu'à 3 games sur 3, il aura tour 3 Sorin? Yes. C'est le meilleur deck en face, attention. Oui, aucun problème. Une carte pour une carte. Pas de souci. On a perdu le surveil dans cette histoire. C'est juste ça qui est un peu vite fait dommage. Augure de Borassu. Ego à la dérive. Oh, je prends, il n'y a pas de problème. Nickel, c'est le meilleur deck. Bah ouais, c'est trop bien. Bah ouais. Fin de compte. Pourquoi les gens jouent pas ça en fait? En fait, j'ai tout le temps fait. Sans déconner, il fait R. Il a tout son dé. Il a dit non, il va me les enlever, je les enlève moi. Vas-y, va voir ce qu'il prépare là, j'ai peur. Qu'est-ce que tu fais là, Sadine, dans ton coin? Donne-moi ton carnet. Oh là là, il voulait jouer ça. Oh, Bichette, le tour d'après. Garde-moi ça. Ah, je garde ça. Garde-moi ça, ça peut pas être mauvais. Ça, c'est bien. Dans deux tours, on va. Il faudrait trouver un ego pour que ça soit très très bien. Mais garde-moi. Et on va le trouver d'ici deux tours. Garde-moi. Je vais lui enlever 8 cartes. C'est dommage, je t'ai dit de le garder, mais c'est une bonne cible à son suppression d'étincelle. Mais ça passera pas sur nos bolas, donc vas-y. Vas-y, tu fais ça et on récupère. On aura fait quand même de la value. Parfait. T'es, ça me plaît, quoi. C'est bien. On va battre le meilleur deck. Ça cible tout à part notre égo à la dérive. Si tu bats le meilleur deck, c'est que tu es le meilleur deck quelque part. Oui. Tu sais que moi j'ai déjà battu Jirok une fois. Tu es meilleur deck en chef. Est-ce que ça fait de moi le champion du monde? Tu l'as battu en V1 alors que lui il est champion du monde en équipe. Putain. Donc, pourquoi t'étais pas là aussi? Si j'avais été là. On aurait été champion du monde. Ouais.
Non, notez qu'on peut attaquer et mettre des points. Hein. Parce que je suis probablement un tiers de champion du monde. T'es 33% de champion du monde. Hein. Ok. Eh bah vas-y. Hein. C'est pas grave. Je suis moi, je champion du monde sur 3. T'es champion du monde. Champion du monde. C'est tous les pions. Qu'est-ce que t'as déjà en main là? Est-ce que tu le dames toi? Ah oui, une plaine. Oh, parfait. Tu le dames le pion toi? Je dame le pion régulièrement, oui. Ramène-lui un point quand même. Montre-lui qu'on sait jouer quand même. Non, il faut qu'il finisse à 20, Val. Très important. Par contre, s'il s'amuse à gagner des points de vie. Ouais, s'il est trop véhément, on... comme ça. On est là. Le pitou, quoi. Je fais face à toi. Hop là, tout de suite, tu vois. Je fais. Et non. Râle. Conduit de l'orage. Vas-y, plus de regard. C'est parti. Et on bottom tout ce qui n'est pas un ego. Ou les bolasses. Ah, désolé, je parle pas de l'elfe aux cheveux longs. Ou de la maladie. Ça met quelques flèches, ça. Ou de la maladie. De la maladie. C'est une maladie. Je n'ai pas d'adjectif à cette maladie, en fait. Purulente. Ouais, extrêmement emmerdante, j'imagine. J'imagine. Vas-y, tue-moi ça, là, ça m'emmerde, aspirante. Non, ouais, j'attends juste qu'il déclare ses attaquants. Oh la véhémence. Il espère, voilà, mais tu fais un tata. Un tata, ça dégage ça. Voilà, je le ping en plus. Tiens, on voulait que ce soit à 20. Bah, tu peux attaquer maintenant. Eh non. Surtout pas. Oh, tu peux tuer ces deux conquistadors en tant qu'acteur. C'est pas une menace. Pas une menace, je laisse. Enfin, ouais, c'est vrai qu'on peut cry aussi. Ça, ouais. Mais mec, on est trop bien. C'est comment on peut perdre là? Mais c'est le meilleur deck. Explique-moi voilà. Comment on fait. Je peux pas te l'expliquer. C'est juste le meilleur deck. Oh. Il ne fait rien, c'est normal. On va bientôt faire l'ulti d'Oral. Ça fait quoi son ulti? Il n'y en a pas. Ah ouais, ok. Je suis con. Et là, on cherche. Bah, lui aussi, il cherche. Par contre, nous, on a tout ce qu'il faut pour répondre. Aucun problème. Ok, on va faire un petit cri. Ça part en cry. Hein. Oh, le deck est quand même bien monté, moi, je trouve. Hein. Franchement. Je sais pas qui a monté ça. On va faire une deck-deck. Deux mecs forts. On va faire une deck-deck sur ce deck. Vous avez droit à deux vidéos. Ah merde, ah, je peux pas prendre ça. C'est franchement, de pas prendre un Planeswalker, c'est vraiment dommage pour Ogre of Bolas. Hein. Sinon, il aurait été vraiment joué. En plus, il s'appelle Ogre de Bolas, donc et ça sous-entend qu'il annonce Bolas. Il prend pas Bolas, le mec, quoi. Putain. Eh ben, crie. Hein. Vas-y, rase-moi ça. Là. Ah, ça a mal payé, du coup, je peux plus disfigurer. Passe la tondeuse, s'il te plaît. Voilà. C'est fini, oui, de trouver des terrains comme ça. Oh là 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 là. Pif pouf. Ça, c'est des marqueurs honte, dans ouais. Le jargon. Là, je vais donner deux pèves, en vrai. Parce qu'il fait moins un. Chez. Ouais, c'est fou, hein. Oh, c'est dingue, ça. Oh, vas-y. Ah, j'en ai marre de trouver des... Ah, non, non, non. Quoi? Non, non, moi je veux mon plan de jeu. Ah, oh, mais c'est bien ça comme plan de jeu. Oh, il aurait piqué plein de trucs. Oh, je me décompose, je me liquéfie. Regardez, Val se transforme en slime. C'est extrêmement déçu. Ouais, mais moi je veux pas lui piquer des trucs. Oh, bah je veux lui enlever. Ah, ouais, mais bon. Et quand tu peux pas, tu peux pas. Ça finit, oui. Imagine, il a sidé une île et des égaux. On aurait pu lui prendre. Triple bloc. Non, j'en donne qu'un comme ça. Bah oui, je rigole. Je blague, l'Hermina. Il a assez de mana, sinon j'aurais disfigure. Ouais. Mais du coup. Non, non, même en triple bloquant, tu le tuais pas. Mais voilà. Yes. Quand même. Allez, moins deux. Allez. Tiens. Du coup, Gideon, parce que là, franchement, ça serait chiant à... Ah non, on a emprise délétère. Non, je pense que j'enlève Sorin et Champion. Mais on a déjà enlevé... Non, on a rien enlevé. On a rien bien. Enlevé sur celle-là? Non. Ah, bah Champion, c'est sûr. T'es sûr qu'on a rien enlevé dans cette game? Ah, ouais, c'est sûr. Vrai. Bah si, il y a de l'exil, c'est quoi? Il y en a que deux. Ah, ok. Alors, main, il y a ça. Bah qu'est-ce qui est impossible? Et il y en a déjà au cimetière, ok. Vas-y, lève-le. Hein. Je rate juste, donc on va dire Sorin après. Ok. Hop là.
En vrai, je pouvais dire plaine et marée. Tu peux rechoisir le nom. Ouais, yes. Ah bah sinon c'est nul. Bah nul. sinon c'est nul. Ah, mais bon, J'ai dit imagine. quoi? Sorine. Bah Sorine, hein, ouais. Oh. Allez hop. Prochaine Ça cible, ce sera remballe. lieutenante, je pense. Ou pour l'autre, là, le petit gars, qui est indestructible. Pas dans ton Vanguard. Ouais, plutôt à Danto parce que t'as du mal à le gérer avec emprise délétère alors que les autres tu mets juste emprise délétère en fait. Après, Gideon, encore que t'as emprise délétère parce que c'est chiant. Plus trop de cartes dans cette bibliothèque Ça, faudrait là. qu'on puisse gérer ça aussi. Chevalier, c'est relou quand même à terme. Ouais, je vais pouvoir le gérer à un moment donné. Il y a des rituels de suie qui se baladent. Faut les trouver. Bah, je pioche et je scry 1 à chaque fois. Donc. Ok. Et si jamais il s'amuse à jouer un truc en main phase 2, bah il est mort. Je le souhaite. Bon, un truc Un plus truc gros. plus gros, Ouais. parce que là. C'est fou quand même. Non mais oh. Bon, En gros, au c'est moi moins qui ai il a ras plus là. d'outils de value, donc il peut pas avoir des comebacks énormes. Mais Ouais. juste continuer à nous gratter comme ça, c'est relou. Hein. Ouais, parce qu'on a beaucoup bottom là. On les connaît les cartes du dessous. Hein. Bah Combien ouais. de land il y a eu? Attends, je vais juste terminer le tour. En bottom, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. On a 8 landes Quand même, hein. bottom, plus tous les landes qu'on a sur le champ de bataille. On n'a pas été payé sur les 24 landes qu'on joue. On a 17 landes en tout, donc il en reste très peu là, normalement. On aurait pioché les cartes Il en acquises. reste 7 sur. 7 sur. Combien il y a de cartes bottom? Je vais te dire ça. Compte le nombre de 1, 2, bottom. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 7 sur 24. Ça fait un peu moins d'une chance sur 3. Est-ce que je tue ça ou je prends 1? Tue-le. 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 On va le gratter au ping. J'aurais dû le tuer avant qu'il me mette un point. Ouais, c'est pas C'est grave. pas grave. As-tu un On s'en truc? fout. Il a Oh. rien. Oh, c'est fou, quoi. En vrai, il s'amuse pas là. On gagne un peu ce qu'on. Ah, il a On zéro gagne un peu fun. notre pari là. Je dois enlever ça, hein, c'est nul. Ils sont où les bolas là? Tu me le dis? Je sais Ah, pas. parce que là, il va nous mettre 1 milliard là. Hein. Là, on est mort en 2 tours. Le 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, il met 10, ouais, on est mort en 2 tours. Beaucoup Voilà. trop une solution. C'est fou, hein? Eh Genre, on a des ben. anti-bêtes, on en a 1000, Là, c'est Bola et on sur trouve mais rien. rien. C'est Bola Sordaï. Non, il y a Bolas, il y a Rituel de Suie. Ouais, rituel dessus, ça va. Oula, il va Il nous y a mettre bah, 1 Bolas, tout court, milliard. Qui qui est nous le fait vivre, lock. ouais. Enfin, le Bolas non Planeswalker, je veux dire. Allô, Bolas. Viens, s'il te plaît. S'il nous tue juste avec une 1-2 parce qu'on a pioché 0 anti-bet sur. Mec, c'est dingue. Je suis Genre, on a extrêmement déçu. pioché rien, quoi. Encore un land. Ah! Putain! Il y en avait C'est 7 fou, sur hein! 24, on en a pioché 3 d'affilée. Allez, bien joué. Du coup, là, il en reste 4 sur 21. Oh, je suis salé, Ah, là! je suis salé, mais c'est pas grave, on On va en se fait venger une. sur un autre. En vrai, on a gagné celle-là. Hein. Oui, Je on suis a désolé, gagné. hein. Parce qu'avec tout ce qu'on a scry et tout, avoir que des lands tout le temps, là. Non, Non? mais je suis Bon, salty. voilà. I'm a salty man. C'était de la merde, voilà. Qu'on le C'était, ouais, dise. qu'on se le dise, cette game, c'était de la merde, cette game 3. Oh! Et on tombe contre Enip. Enip, bonjour à toi! Oh ben je pense qu'il s'attend pas Et il du s'attend tout. pas à ça. Et il va se dire, ça doit être un pari. On va jouer en premier. Je pense qu'il s'imagine pas. Oula, Ouh! allez mouligan donc. C'est bien. C'est très bien. Regardez, on va en enlever un. Non, plutôt ça. Enlève expansion. Ouais, ouais je pense qu'il s'attend tellement pas à prendre ça. Ce serait Incroyable. vraiment très surprenant. Bonjour. Tiens, mets-y le petit chat bleu là. Voilà. Oui, bah, il va se douter que qu'on fait une vidéo C'est parti. qu'on fait une vidéo troll. Garde. Des landes, c'est bien. Très très. Il analyse. Ok. Passe en élevage elfe. Pas de problème. Allez, Soit. fais voir ce qu'il nous prépare. Alors du coup, plus de surprise à partir de maintenant. Maintenant! Oh, il joue Yarok Combo, j'imagine. On enlève Garrok. Je crois qu'on garde pas. Ouais, je suis obligé de bottom ça à mon avis.
Du coup, Combo, c'est la version. Une très bonne cible à mon ego à la dérive. Personne de ce land. Ah, Chant des Morts. Mais ouais. Je suis pas certain encore, parce que ça peut être aussi juste Sultai Midrange. Ouais. Et dans ce cas, il n'y a pas Chant des Morts. Donc on pourrait juste dire. Parce qu'au vu de sa base de mana, regarde les terrains qu'il a dans sa main. Il y a un monde où. Bah, déjà, il y a un monde où il va perdre sur Voleur en tour 3. En fait, il y a 5 lands différents, donc ça peut vraiment être Chant des Morts. Ouais, mais c'est rare de voir aucune porte ou aucune. Tu vois. Ouais. C'est pour ça que j'ai un doute. Moi, je partirais pas sur Chant des Morts instant. Hein. Parce que là, ce qui est marrant, c'est qu'il se dit ok, il joue Grixis. Ok. Et pas vraiment. Il a compris. Non, mais là, sans gestion, voleur de sanité, c'est la défaite. Et il veut pas nous montrer ce qu'il joue, donc c'est bien joué de sa part. Nous, on a vu du vert, donc Emprise délétère, c'est Al, déjà. Ça, c'est pas bon. S'il joue des elfes, c'est pas mauvais. Hein. Et à choc, c'est bien si jamais il joue. Il jouera pas Scapeshift, tu con. Bah, s'il joue Scapeshift, c'est bon, mais on n'est pas sûr. Je peux rentrer la disfigure pour l'elfe. Ouais. Ça a l'air un peu faible. Je rentrerai pas les Vrasses pour l'instant, on la rentrera peut-être à la troisième. Putain, on tryhard sur du Harry Builder, il est incroyable ce Harry Builder. C'est dingue. Non, en vrai, je rentrerai que des Emprises de l'éther, je vire le Hachioc et les deux réunions de mission. Ouais, réunion c'est mou. Ou alors une réunion, une expansion. Parce que ça expansion, on peut le grinder en late game avec ça, tu vois. Genre là, on piochait expansion, on était content contre notre adversaire, contre monsieur le vampire. C'est bon? Bon, je crois, ouais. De toute façon, c'est pas ce qu'il joue, donc c'est très difficile de sider. Quoi. Ouais. Emprise délétère, dans tous les cas, c'est bien. Il y a du vert. Il joue des elfes, il y a peut-être du Nissa, ça touchera Yarok, c'est forcément bien. Très imposant ce. C'est qui sur C'est Rakdos. Rakdosu. C'est une mauvaise main, hein, mais c'est dans notre plan de jeu. C'est garde. On espère en apprendre un peu plus. Eh ouais, parce que là je sais pas quoi ego. En vrai, là, j'ai go Yarok hein, pour l'instant. Ouais, tu fais Yarok, c'est déjà bon. Bien. Si c'est un deck midrange, ça va pas être très bien d'ego Yarok, tu vois. En vrai, si t'as de forts soupçons qu'il joue Nissa, tu ego Nissa, je pense. Ou Krasis. T'as ce que je veux dire? Il a son elfe, quoi. Il est bon. C'est que c'est un bon joueur, s'il a l'elfe. Là, j'en veux plus, ça. Allez, quitte donc. Oula, par contre, Bolas, il est pas près d'être là. Faut en piocher du mana noir. Ok. Ah là, c'est elf tour 1 puis sa tour 2, c'est la sortie un peu canon. Est-ce qu'il faut pas qu'on lui cache notre plan de jeu, nous aussi? Ah non, là, en fait, là, il va ramper, donc si tu le fais pas maintenant, il va développer tous ces trucs. Ah, mais s'il faut pas qu'on cède. Sur cette sortie, on ne le gère pas, on a aucune interaction avec lui. Il fait rien pour l'instant, on peut encore jouer. Hein. Ah, mais je jouerai pas ego. Moi, au tour 3. Si tu fais pas ego, tu vas faire un RAL. En fait, là, s'il met une menace, il va pouvoir gérer RAL. S'il gère pas. S'il peut pas gérer RAL, ok. Ok. Par contre, s'il met un board qui peut gérer RAL, je. Je joue ego. Je pense. Parce que là, je nous sens bien derrière, quand même. Selon ce qu'il fait là. Ouais. Parce qu'en fait, comme il a déjà récif et que là, on va pas le gérer actuellement, si on joue. On joue pas là. Pardonnez, on joue pas notre ego à la dérive. Il risque de pouvoir déjà poser son Yarok, faire n'importe quoi, etc. Il joue juste Sultai Mid en fait. Sultai Mid, ouais. Est-ce que c'est pas une version rotation proof? Ah non, il y a les elfes. Non, du coup, je pense qu'il faut pas ego, moi. Je pense qu'il faut RAL plus 2, moi. Ah ouais? Bah, tu vas ego dans quoi? Je peux pas RAL encore. Hein. Tu vas ego dans quoi? Je peux pas RAL, et quand je vais le poser, RAL, s'il pose la moindre créature, RAL est mort instant. Donc ça veut dire que là, s'il pose. Ouais, mais tu ego dans quoi? Yarok? Pas Nissa, s'il joue Krasis. Pour moi, il joue Nissa, hein, s'il joue Krasis. On tente Nissa? Bah, plus en tout cas, ouais. Plus déjà, que Yarok. Hein. Déjà, je pose ça. Nissa? Bah, est-ce que c'est possible de jouer Id sans Nissa? Moi, à mon sens, non. Allez, on tente Nissa. Et je préfère prendre Yarok que Nissa. Facile. D'ailleurs, on la prend le tour d'après, la Nissa. Dans sa main, rien. Bibliothèque, rien. Cimetière, rien. Ok, fais voir ce qu'il joue. Donc, main. Comment il peut jouer Krasis sans Nissa? C'est quoi son deck? Cavalier d'épines. Okay. Quasi-duplicate. Nexus. Ah! Agent de traîtrise. Yarok. Mais c'est pas grave, on sait pour la prochaine. Oh ouais. Cavalier d'épines, ça aurait été bien à dire ça. Est-ce que tu te souviens du Simic quasi-duplicate qu'on a joué et présenté en vidéo? Ouais. C'est ça sans quasi-duplicate en Grixis. En Sultai. Mais si, il joue quasi-duplicate. Ah, il joue quasi-duplicate? Ouais. Bah, c'est Sultai quasi-duplicate alors. J'avais pas vu. Il en joue combien? J'en ai vu deux. De tête, mais peut-être qu'il y en a plus. Ouais, Je peux jouer Bolas, mais bon. Ouais. Bah, je pense que tu vas jouer Bolas. Je pense qu'elle est perdue, celle-là.
Oui, mais après on joue Grixis, il doit se douter qu'on joue Bolas, tu vois. Parce que là, si on fait Nicole, on lui fait défausser une carte, et le tour d'après, on fait aussi Bolas, on tue la 5-6, on est encore haut en PV. Oui, c'est vrai. On peut enchaîner sur double Bolas derrière. Elle Ouais. est pas gagnée, mais tant qu'à avoir continué, lui montrer que. Ouais. Genre, pourquoi pas aller un peu plus loin, quoi. L'important, c'est de faire ego pour voir le deck. Yes. Il y a beaucoup de choses à enlever, du coup. Et Yorok Oui. n'est pas la cible prioritaire. Non. C'est bien. Là, par contre, c'est dur. Là, c'est dur. Pourquoi il joue pas Nissa? C'est fou. On a perdu. Allez, vas-y, let's go. Ok, on va passer à la 3 et on Et sait quoi sider du on va coup. savoir quoi sider, mais on n'a pas grand-chose à sider pour le coup. Hein. Non. Est-ce que je rentre les cris ou les rituels pour récif émergent et elfe? Est-ce qu'il faut tu penses? Je me demande. Peut-être cry. Déjà, qu'est-ce qu'on sortirait? Ouais, tu trouves de la place, hein. Symétrie sournoise. Ça a l'air un peu fébrile contre. Ouais, j'ai pas envie de donner des cartes vraiment dans son pack. Non. Je peux rentrer deux cris. Ouais. Ok, go. Ouais. Je pense qu'on fera pas mieux, on n'est pas armé pour battre ça. Ouais, c'est un gros pack midrange avec plein de bons trucs. Sultai Duplicate, sympa. On joue en premier. Vas-y. C'est bien ça. Ouais, c'est pas mal. Regardez. Vas-y. Temple tour 1. Contre ce jeu, contre le deck qui joue, arriver, c'est pas mal. Arriver à faire voleur de sanité, c'est victoire. Ouais. Ça joue pas, il joue pas d'interaction, on lui pique une carte par Bah, tour. s'il a pas la 5-6 pour bloquer ou l'hydre pour Ça trade. serait vraiment. Non, on Hop arrive là. taper. Non Non. plus. Tu. J'ai pris les deux mauvais landes. Ouais. Go. Il n'y a pas eu la flore, hein, c'est déjà pas mal. Bah, récif. Hein. Ouais, de toute façon, il fait accélération dans accélération. Récif, t'as raison, bien Bah, vu sûr. que j'enlève un accélérateur, Enlève le je veux land, ouais. pas. Il en a encore un. Ouais, bien sûr. Donc, autant enlever le récif. Il a cutté dans le pack Explore pour jouer, pour rentrer le noir dans ce Simic Duplicate. Ouais. Vas-y, Bolas. Ouais. Très bien, une gestion. Tant qu'il fait draw, de toute façon, l'augure de Bolas, c'est le principal. Déjà, moi je suis content de savoir qu'on peut pas se prendre Nissa. C'est tellement rassurant Ouais, déjà. c'est vrai. Ouais, parce qu'en final, on enlevait un truc, on se faisait quand même éclater. Donc, ouais, Bolas, Ça hein. vaut le coup de bolas maintenant, ouais, Ouais. carrément. Pour le curve là, comme ça, c'est toujours bon. Pas l'attaquant, ça ne sert à rien. Ce Il serait envoie un emmerdant de land. prendre une hydre maintenant. Ça lui permettrait de se remettre un petit peu frais, tu vois. Ouais. Et on va pas se prendre d'hydre maintenant, donc c'est pas mal. Très D'hydre! bon. Alors comme il y a le druide sans feuille, j'ai pas trop envie de crier là. Non, c'est pas fou. Juste tuer ça. Je pense que tu peux. Je vais Alors, râle plus 1. y a un setup où tu. Ah non, si tu conjectures, tu reprendras qu'un rituel. Je vais Ouais, ouais. reprendre. Ouais, donc Non, c'est tu. qu'un éphémère le premier truc, donc je Ouais, vais donc rien reprendre. c'est pas bien, t'as raison. Non, je vais Ouais, râle. râle, vas-y, vas-y. On doit vraiment se demander ce qu'on fout. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il fait? Non. Ouais, bottom ça, J'ai ouais. déjà 3 mana noirs pour Bolas, donc je m'en fous. Pas l'attaque. Pourquoi? C'est 4 points gratuits. Mais on ne tue pas de son point de vue, on l'a dit. Ah ouais? Ouais, bah là, c'est un bon joueur, tu vois. Mais c'est que des bons joueurs, normalement, là, dans Mythique. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bah, tu veux pas battre les autres streamers? Moi, je veux devenir le meilleur dresseur, hein, Pierre-Louis. Tu veux que je fasse double effacement ou pas? Je peux, hein. Franchement, ouais. Moi, je veux être le meilleur dresseur et je me battrai sans répit, hein. Je ferai tout pour être vainqueur et gagner les défis, donc. Tintin. Yes! Bien La joué. Bah, c'est vrai, en concession fait, devant le double théorie, il n'y effacement avait pas pensé. besoin Pas besoin de mettre d'attaquer. les 20 pev. Bien joué, Inip. Belle partie et très Bien beau joué à toi. deck. Ouais, j'aime bien Ouais. la version Soul Try. Et on gagne le fracasseur marin de Et on n'a Yarok. pas réussi à vider un mec de son deck, quoi. Ah non. C'est dommage, hein. Mais en vrai, genre vider c'est dur. Hein. Ouais, Il faut jouer vraiment plein d'ego. c'est vrai. Ne Faut serait-ce une que. partie qui dure très longtemps où tu peux faire une Ouais. Mirari Conjecture Et dans la qui double méta. expansion explosion. Si tu prends pas. En fait, le truc, c'est que les gens vont concéder en mythique. Ouais. Tu vas pas tomber sur quelqu'un qui a encore 5 cartes dans la bibliothèque et dit ok à toi. Lance-moi-en une dernière en BO1 en non classé. Qu'est-ce que t'en penses? Oh là là, le repère malfamé dans lequel on est tombé.
On va se faire détroncer. On lance une game, il y a tout de suite un mec qui fait... Non, voilà, ton pantalon. Reste là. Non, mais parce que le setup incroyable, c'est Mirari Conjecture, je double expansion explosion et ouais, j'ai go à la dérive. Et on tombe contre un Navy Seal, tu vois. Lui, le mec, en tout cas, lui, il est entraîné pour tuer. Hein. Il a le couteau pour te détrousser, lui. Parfait. Et non, pas parfait. On va le piocher. En fait, il est entraîné à tuer l'adversaire. Tu me mulliganes ? Ah ouais. Putain. Voilà. Ouais, c'est bien. Je vais enlever Nicole Bolas, je crois. Je réfléchis, je pense qu'Ashiok est moins bien. Genre, il y a des match-up où c'est spécifiquement nul, donc comme c'est une carte tech, je préfère garder Bola, c'est le corvée. De toute façon, je le tuto au pire. Ça va, ça. Oh, ah, on a un joueur. Très yes, bien. Ça me fait plaisir, ça. Ah ouais, là, on a un gros joueur, ouais, même. Il joue beaucoup, lui, hein. Trop bien. Tu sais pas. Oh merde. Ah, il va savoir. Ah, il va prendre ego. Le sale ego. Ah, je pense qu'il va prendre voleur s'il n'a pas d'interaction. Et du coup, on saura s'il prend voleur qu'il n'en a pas. Mais vu qu'on joue pas beaucoup de bêtes, on s'en fout. Ça cague, vraiment. Allez, vas-y. Allez, tu vas voir, c'est génial. Allez, c'est mer time. Là, en fait, il doit se dire, mais il est déjà sidé ou quoi? Pourquoi il y a ça là? Bah, même voleur. Ou alors, peut-être que le mec se dit, pourquoi on tombe contre le seul mec? Enfin, pourquoi je tombe contre le seul mec qui joue d'Ego Main Deck? Mais là, il voit notre main, tu sens qu'il y a un temps de réflexion. Ouais, il fait. Oh. Oh. Yes, il a eu peur. Il a pris quoi? Ego? C'est normal. Putain. Il sait ce qui va se passer. C'est comme quoi les gens pensent vraiment que c'est une carte puissante. Hein. Mais c'est une carte puissante, c'est, la meilleure carte, regarde. Est-ce qu'on est. Est-ce qu'on a perdu une partie depuis le début? Non, mais c'est vrai. Parce que Vampire, on a gagné. 100%. Juste le mec triche en face, mais s'il trichait pas, genre il a. En fait, il utilisait la capacité de Jace. Et il regardait notre carte, il laissait des landes, il faisait. J'avoue, putain, et nous on avait pas de quoi remélanger, il était trop fort notre adversaire. C'est bien. Lui est plus gentil déjà, j'aime bien, toi. Ouais, il y a un truc en mode, ouais, pacte de non-agression. Non, vas-y, paye de pev. Ouais, 5 cagues. T'as raison. Et là, on a une curve, mon gars. Il a de quoi gérer. Elle est énervée, cette curve. Il a pas de quoi gérer en main phase. En éphémère. Oui. Est-ce qu'il va faire un rituel dessus? Du sang pour les os, pardon. Oula, il essaye de chatter. Il essaie de chatter, comme dans la vidéo. Ça n'a pas payé. S'il avait eu Dracu7, c'était pas mal. Hein. Il a un zélateur. Et c'est tout. Bah, il va réanimer ça ou Lich. Moi, ouais, je pense qu'il va réanimer Lich. Et du coup, on va lui mettre 2 et on va se mettre bien. En plus, si on lui pique Dracu 7, il a regardé une vidéo Valet PL et il s'est dit, moi aussi je peux le faire. Moi aussi je peux le faire, mais non, t'as pas chaté, mec. Du sang pour les os. Seb McKinnon, hein, le. Il est fort, légendaire. Hein, il est fort. Il y a quand même une thématique squelettale hein, dans ce qu'il fait. Oui. Oh. Surtout sur M20. Alors, Navy Seals, qui est apparemment un pack compliqué. Ça a l'air dur de choisir là, un 3 qui s'est déposé. Qui est très très déçu, je ne sais pas. Ça a l'air extrêmement dur. En tout cas, nous, ce qu'on veut, c'est un adversaire qui persiste. Oh, mais attends, c'est combo là, parce que quand j'attaque, je vais lui mettre des créas au cimetière. Non, tu les exiles. Ah ouais. Oui, le reste va au cimetière, t'es sûr? Ouais. Bah, c'est pas grave. Nous, on va lui il piquer. Il faut que je prenne le on bon va truc, lui piquer hein. La meilleure carte. Ah, ouais. Si tu lui piques Dracu 7. Ah, il en reprend une dans la main, donc ouais. C'est pas mal. Il se défausse d'un argent de trahison. Ah, c'était mieux ça, tu vois déjà. Phase d'attaque. Sauce-moi cet homme. Bah, ça, on ouais. Va rester injouable. On okay. Ranime de notre cimetière. Ouais. Bon, rien. Ça finira bien par arriver. Bon, là, montre-lui ce qu'il connaît, bah, même si ça change rien en vrai. Arena est intelligent sur ce plan-là. T'imagines, il te testait. Alors, c'est tu peux bloquer Lich en grimoiré pour jouer du sang et des os sur notre bolas en vrai. C'est pas incroyable, mais c'est un setup. Ouais, il faut que je sacrifie une bête. Ah, il faut que tu saques une bête. Ouais, donc c'est pas bien. Oh, il a beaucoup de, il y a beaucoup de cartes fortes quand même, notre adversaire. Hein. Ouais, s'il s'amuse à continuer d'utiliser cette carte. Après, il y en a une au cimetière, il y en a une là. Ouais. Donc, est-ce qu'il y en a eu d'autres? Rien n'est moins sûr. Je ne sais pas. En gros, il joue Dimir. Dimir réanimateur en fait. Mais réanimateur en fait. Tu es le pire. Tu es le pire, Pierre-Louis, tu le sais. Et j'accepte de prendre un point. Beatdown donc. Beatdown donc. Beatdown donc. Beatdown donc. C'est de la pop funk des années 91. Tu l'as dit avec un ton, genre le mec est expert de cette tranche de ce genre, de ce sous-genre de pop culture. Alors que pas du tout. Non.
Moi, je suis un peu expert de rien, moi. Il est marrant, ce zélateur, hein, j'avais pas fait gaffe. Ouais, il est moustachu. Mais c'est toi, Val? Non, c'est pas moi du tout. Parce que les gens trouvent des ressemblances avec c'est moi, Val, ça. Avec tout le monde. Je suis un vieillard sénile. Mais c'est toi, Val! À droite, hein. Quand tu es transcendé. Oui, c'est vrai qu'on m'a apprêté des sosies partout. Ah, c'était marrant. Que je ne citerai pas sur cette chaîne. Parce que sinon, les gens vont dire « Ah ouais, c'est vrai. » Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Du coup, il enleva Nicole Bolas, il en reste un. Sur un top des clans. On est guimbe, comme on joue chez moi. Grig 6, là. Alors que moi, je veux pas jouer Grig 6. Moi non plus, je veux pas jouer Grig 6, mais que veux-tu? Voleur de sanité, c'est dans le plan de jeu, mec. Hein. Comme quoi, des fois, on joue des vrais decks, on perd. On joue et des faux decks. Et ça, c'est un faux deck et on gagne. Invaincu. On va lui piquer la carte qu'il va chercher avec symétrie sournoise, gros. Attaque pas avant. Merde. Oh non, l'erreur. Moi, je voulais juste aller chercher Ego, je m'en foutais. Mais non. Oh, dommage. C'est pas grave, je vais. Bah, du coup, on la joue pas. Hein. Si on la joue. Ah ouais. Bah, c'est moins bien, quoi. Ah bah, vas-y. Ah bah, non, je suis con. Ah, tu m'as mis un. Je t'ai mis un stop. Tu m'as mis un stop à mon fun. Vas-y, remets-moi un peu de fun avec cette façon de penser. D'hydre. Oh bah ouais. Ah bah oui. Parce que là, en vrai, on lui donne une réa, on est mort. Il fait agent de traîtrise. Oui, donc faut vraiment pas symétrie. On va pas faire ça. Bah, on va gagner autrement. Bah, de toute façon, là, on est sur un chemin de victoire. De victoire. Déjà. Alors, on va essayer, autant que faire se peut, de ne pas gagner au point de vie. Donc non. J'attaque plus qu'avec voleur de sanité. Ouais, exactement. Je fais ça avant ou pas? Fin de tour. Voir si le mec va chercher une réa ou pas. Non, fin de tour, je peux pas. Elles sont zépétées. Ah ouais. Ah bah ouais, vas-y, fais ça avant, ouais. Ah bah non, sinon on peut plus bolasse. Ah non, comme ça au moins on sécurise la victoire. Mais c'est Kétis qui dit ça. C'est vrai. Elle est belle, c'est... Mais c'est encore Seb McKinnon, mais c'est dingue. Est-ce qu'on ferait pas un deck Seb McKinnon? Attention, Val. Attention, les ballons. Attention, parce qu'il y a des gens, ils postent 300 commentaires pour dire Seb McKinnon. Non, les gars, ça n'arrivera pas. Demandez ça gentiment. Parce que je sais, étant fan de ce qu'il fait, les cartes de M20, enfin les cartes en général qu'il y a dessinées en standard, et ça ne fait pas un deck. Bah, déjà, tu dois jouer ça et ça. Attention. S'il avait dessiné Dracuset, je t'aurais dit ego. Attention. Ne me chauffe pas, Pierre-Louis. Christy Bananescu. On fait un deck sur les illustrations de Christy Bananescu. Bah, on va pas avoir beaucoup de cartes. Hein. Oh, le vilain. Il a fait quoi? Il a tué ça. Putain, il veut vraiment qu'on le tue vraiment, du coup. Bah, désolé. Tu m'as saoulé. Bolas. Plus un. Oh ouais, sinon il nous le tue, malheureusement. Voilà. Pas mal. Par contre, sur Ego, je vais pas trop savoir quoi dire, moi. Contre lui? Ah, déjà, agent de machin, là, le truc qui nous vole des cartes. Déjà. Eh ouais, c'est bien. Pas d'attaque. Ouais, attaque pas. Attaque donc pas. Oh! On va chercher deux réas. Ça sert à rien. Enfin, ça les met l'une au-dessus de l'autre, quoi. Tu sais que tes deux prochaines draws seront bien. On a quoi au cimetière, du coup? Ah non, ça sert à rien, parce que tu vas chercher, tu mets, tu mélanges. Enfin, tu vas chercher, tu mélanges, tu mets. Et tu le refais, tu vas chercher, tu mélanges, tu mets. Donc, ouais. Copier, ça sert à rien. C'est vraiment nul, putain. Mais on voulait essayer. Personne ne joue cette carte et... On l'aime bien, nous, quelque part. Merde. Voilà. J'en ai quatre, hein, moi. T'en as quatre? C'est First Craft. Pas vrai. Ah merde, quoi, bah, il va nous piquer Bolas, ça pue. Hein. C'est un permanent? Ouais. Ah, c'est bien ça. Ah, mais ce qu'il sait pas, c'est qu'il a raison. Eh oui. Aïe. Il va faire un moins 3, il va tuer notre Bolas. Ça sent vraiment pas bon cette histoire. Oui. On peut encore Bolas en vrai. Ah non, mais putain, il a Chupacabra. Oh, quel enfer. Mais quel enfer! Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, avec symétrie sournoise, là? Là, c'est dur. Ouais. Oh, lui, il nous a pas te cacher, Val. C'était la game de trop, voilà. Mais il en fallait une, hein? Ouais. Tu as bien crié, je pense, dans les viewers. Dans les oreilles de viewers. Le mec qui s'est endormi, là, il est bien content. Ah, il s'est réveillé. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est nul, hein? Ah, j'ai fait quand même. Ouais, hein. On sait pas. S'il peut, il défausse Chupacabra, il a pas vu, tu sais. Et je vais jouer ça, hein. Ah non. Ah, pourquoi? Ouais, tu vas jouer ça. Ah, je joue ça. Bah, on va lui donner la réponse, quoi. Ouais, juste pour lui dire, regarde ce qu'on joue. Je
Je peux pas cibler Jaya et moi? Non. Non, je crois qu'on reprend pas assez de bonnes cartes. Je reprendrai un bolas, moi. Un gros bolas. Ouais. Ouais. Le gros bolas. Le dragon dieu. El famoso. Qui va instant mourir, d'ailleurs. Pourquoi? Ah oui, mais il va tuer le bolas adverse. Oui. Tel est le but. Mais il va nous le repiquer. Peut-être. Ah bah ouais, mais après, s'il est trop fort aussi, qu'est-ce que tu veux faire? Ah, on aurait passé un ego, on avait gagné. D'enlever les sorts de rare. Ouais. J'aurais dû chercher ego, je faisais expansion sur ego. S'il pouvait pas gérer bolas, j'allais chercher ego. Quand ça? Ah oui, maintenant. Ah oui, mais bon, là c'est trop tard là. Si tu avec fais ça, des scies, on fait de la musique, on coupe des bois. Mais... Eh ben moi, comme je dis, si ma tante en avait deux, ça serait mon oncle. Tout simplement. Tata? Qu'est-ce qui se passe? Ok, donc par contre, Navicil, il a vraiment des choix cornéliens. Ah, vraiment? À chaque fois. Plus beaucoup de cartes là-dedans, hein? Tu vois ce que je veux dire, hein? Je suis pas sûr qu'on ait une issue favorable à ce match. Smash! Smash! Il fait extrêmement chaud. Oh, ouais, j'en peux plus. Petit moment, on brise le mur, le quatrième mur, on sort de la vidéo. On est sûr. Oh, mais il a tout lui! Mais il a tout! Bah, il était cherché en même temps. D'avoir top deck. Il fait chaud. Quitte cette game là, ça m'énerve. Ouais, il m'emmerde. Bien joué, Navy Seal. C'est la fin de cette vidéo. Il nous a puni. Et lui, il nous a vraiment détroussé. Hein. Détroussé. Ouais. Mais j'avais dit. Hein. Ouais. J'avais dit, lui. On est parti dans des profondeurs beaucoup trop obscures. La game de trop. Non, on voulait battre les tiers 1, c'est tout. Les tiers 1 du format. Les tiers 1 du format. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, nous, on a kiffé faire ce rebuilder un petit peu express. Parce que de toute façon, on savait très bien ce qu'on voulait mettre dedans. Nous, on avait pensé à deux cartes. Tout le reste, ouais. Ça a été très vite. C'était Nexus Mirari. Nexus, pardon. Ego Mirari. Vous avez vu que c'était pas prémédité parce qu'il y avait une partie, genre qu'on est parti sur SPR. Après, on s'est dit non. Héros à la dérive. Ça aurait été pas mal aussi. Mais ouais. Grixis, c'était peut-être plus fort. Ouais, je pense. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, partage, commentaire, abonnement. Si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez aller sur la page Utip pour regarder une petite pub de 30 secondes. C'est gratuit pour vous. Et ça nous rapporte un petit peu de sous si tout le monde fait ça. Si tous les abonnés font ça une fois par semaine, ça nous permet d'en vivre avec Val. Merci énormément à ceux qui le font. Si vous voulez nous suivre sur Twitch, c'est sur la Spark TV MTG que ça se passe, dans la description, avec tous nos réseaux sociaux également, Twitter, Facebook, ainsi que les deux Discord. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie.